épisode 12. Je me demande ce qu'on va trouver dans cet épisode-là. La deuxième épisode en tout. C'est toujours de même quand j'arrive. On sait jamais ce qu'on va trouver là-dedans. Ça commence. Ah. En tout, mes amis ne sont pas venus. Là, j'étais en retard, je viens d'arriver. C'est quoi ça? Les téconnes qui changent de couleur, ça c'est pas pire ça. Quoi ça? Aucune idée. Pas de clé. La gomme 5. Des affaires de je sais pas trop quoi. En tout cas, je l'aime pas. Bon. Je sais pas ce que je trouve, je dis. Mais comme je vous ai dit, il fait chaud. J'ai attendu bien longtemps au bord du chemin avant de m'en venir. Bon. Des morceaux de voiture, ça. Ça va filer. Hein, des jus de vie. Ah oui. Faire quoi, lui? Il est encore là-dedans. Alone in the dark. Il est là-dedans encore. Eh ben. Deux jeux doués. Eh ben. Aujourd'hui, là, la température est vraiment très élevée. Tiens, j'ai une idée, je vais mettre mon sac ici. Avec les deux jeux doués. Ok, là, je ne veux pas que l'eau soit trop chaud. Bon, voilà. Mis mon sac là, comme ça va être cac. Une balayeuse. Une chaîne intéressante, je dirais, aujourd'hui. Une fan moderne. Eh oui. Une fan moderne. C'est tellement moderne que c'est cheap. Mm-hmm. Wow! Voyons! J'ai entendu ça! Fait un drôle de bruit! Tellement étrange! Pas de l'avoir grand chose d'intéressant, je dis. Ah, encore une autre fan moderne. Une autre fan moderne. Force air. Tellement force air qu'il est rendu ici de jeter. Ouais, regardez ça. Encore un autre, un autre ancien. Un autre moderne, je dis. Il est tout cassé. Il est tout brisé. Vous voyez? Il est tout cassé, la fin. Il est tout fichu. Ça, c'est un Vantata Oxylante des 12. Oxylante fan. Je ne sais même pas quelle marque c'est. Mais tellement de rénovation, c'est tout, non? Bon. Tellement de choses de rénovation, je pourrais même pas regarder en dessous. Des livres, un cartable, je veux dire, une fenêtre cassée. Ouais, on dirait aujourd'hui qu'on peut.
Ils n'ont pas mis grand-chose aujourd'hui. Ça a bien là que mon aventure va être de très mauvaise qualité. Ah, mais c'est pas pire, il y en a d'autres, c'est d'autres. Fait que, au moins, peut-être que je vais trouver des affaires intéressantes. Bon, là, moi, c'était un morceau de char direct. Char. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelque chose en dessous. C'est quoi cette affaire-là? RC. Pourquoi ça? Attendez un peu. Il y a quelque chose ici, t'en dirais. Un adapteur. Bizarre ça. Des jeux pour les enfants, encore. Encore une fois. Vive. Une télévision là-bas. Oui? Il doit être là. D'autres affaires, tu sais. On va regarder ça. Ah, il y a d'autres choses. Hein? Un fil. Un adaptateur, ça. Un morceau de star. C'est des affaires de chaud ou quoi. Une lampe de poche. Il est allumé encore. De mon sable, de ma poche. Ah ben, je vais mettre ta petite. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, mon petit affaire. Tout ça déjà, ça. Une affaire de 12 volts. On dirait des affaires de voiture que c'est. Pas grand chose d'autre, on dirait. Bon. Il fait chaud. Calme. Bon. Oh, une ampoule d'elle. Noma. On dirait une, pas une smart, j'espère. Je sais pas. En tout cas. Ouais, c'est là. Un clipper. Oh, c'est ça. Des matériaux de construction ici, quoi. Il y en a plein. Il y a un sac qui m'attire mon attention. Ouais. Attire des attentions pour des affaires. Intéressant. Bon. Attendez là. J'ai commencé les affaires, j'ai commencé tantôt. Ça. Arrêtez. La lampe de poche, c'est comment? La lumière Odell, je dis. L'ampoule Odell. Ah, ça peut. Ça peut être Noël de ça. Bon. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Tellement curieux de savoir. On va creuser au travers de ça. On va ouvrir le sac et bon sang. Je vais avoir pas mal de choses intéressantes là-dedans. Commence par des balles. Des choses. Un trophée. De je sais pas trop quoi.
Bon. Le petit journal. Yep. Dossier foyer. Ben. Des choses quasiment inintéressantes. Bon, là vous allez me voir. C'est quoi ça? Un livre. Allez. Encore des livres, des bloc-notes. Tiens, une grosse bille. Ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Mettre ça là. Quoi ça? LED Headlight Conversion Kit. Ben voyons donc, c'est des lumières ODEL. Pour des voitures, ça. Ben voyons donc, j'ai mon voyage. Ben oui, c'est ODEL. Ben voyons donc. Une bagno. C'est pour les voitures, ça. Ah ben, on va l'emmener, ça. Flamant nu. Flamant nu. Allez. Bon, des choses pour de quoi. Encore, je ne sais pas c'est quoi. Et, oups. Bon, ça, ça me tombe dessus, là. Bon, des prises. On peut encore des bloc-notes. Quoi, ça? Une petite roulette. Drôle de patron de je sais pas trop quoi. Mais on donne des billes. Ah oui, des billes. C'est des affaires inintéressantes. Quasiment. Des jeux de cartes de plastique, même pas ouverts encore. On va l'emmener. Je connais des personnes qui veulent avoir des jeux de cartes, mais ils n'en ont même pas. Ouais. Ah, il y a une... d'autres affaires, c'est... Non? Une corde, des cordes jaunes. Bon, attendez là. Je vais juste regarder ce qu'il y a là-dedans. En déchirant le sac. Quoi, ça? Job, fertiliseur, spike, barre, ton d'engrais. Bon. Mais ben. Déjà des affaires qu'on pourrait qualifier d'intéressantes. Des choses de voiture. Je vais revenir ici tantôt. Je vais venir voir si c'est quoi. Regardez. Une boîte de téléphone d'être là. On regarde tu ce qu'il y a là-dedans? Je sais même pas si c'est quoi dedans, voyez voir. Même pas rien dedans. C'est un Samsung S10. Bon. Il n'y a rien dedans. Bon. Vous voyez rien. Je ne vais pas laisser le téléphone lui. Bon, c'est mon chemin de ça. Une TV. Une télévision d'être là. Là, je pourrais pas passer ici, là. Je suis venu voir ce qu'il y avait autre. On va revenir ici tantôt. Mais j'ai peut-être hors caméra pour creuser. Je crois qu'il y a des affaires intéressantes là-dedans. Parce qu'il y a des paquets de sacs ici dedans. Il y en a d'autres là-dedans, il y en a un autre là. Je vais venir creuser tantôt ici, gros. Hop là. J'ai quatre tombes à terre. Je vais le mettre dans mes poches. Voilà. Rien, on cogne.
Des jus de tarte encore. Il y a un plastique à l'intérieur. Ça a mal, ça. Bon. Oh, des miroirs. Fais attention, ces miroirs sont pas cassés. Ils sont pas cassés. Il faut faire attention. Pas les casser. Parce que nous, c'est certain de malheur. Ouais. Les futurs aventures avancent bien vite. Comme vous pouvez le voir. Ça. Ça va s'agrandir là-dedans, bientôt. Bien, beaucoup de choses ici, tout ça. Bon, qu'est-ce que c'est vidéo? Tout brisé. Ah, il y a de la mouche, c'est tout long. Ouais. Pas très intéressant. Pas grand-chose d'intéressant là-dedans. Ça, ça vient des maisons, ça. Viens, regardez ça. Une affaire pareille comme chez nous. Pour ranger des choses. Des fils audio. J'en ai tellement de chez nous, juste ça. Oh, des affaires d'audio, de rangement. Faisais attention ici, ça a l'air dangereux cet endroit-là. Bon, ça, je trouve dommé ces coffres-là. Assez étrange. Des coffres bleus, j'en ai trouvé souvent de tout ça. Ouais, ben ici, c'est pas grand-chose, c'est pas un. J'ai bien rien ramassé. Là. Et c'est ça promet. Je suis pas sûr, là, mais en tout cas. Je vais mettre le headlight ici, quoi. Le green light ici. Je vais sortir de toute façon. De toute façon, je ne pourrai pas continuer. Fais attention ici, il y a des planches. Il y a des vis, ça y a des clous. Oh là là, plein de mouches, pas moi. C'est quoi ça? Quoi, c'est ça, ça? On dirait une pompe. J'en ai aucune idée. Une lumière projecteur brisée. Tout cassé, les lumières. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Ça promettait, mais il n'y a rien d'intéressant. Juste ça, attends, mais. Je sais pas à quoi ça sert.
attention, regardez. Des fenêtres avec des vitres cassées, là. Ça, c'est dangereux. Mais une prise de. Une prise USB droite là. Ben oui, une prise USB droite là. Avec un chargeur. T'as rien donc. Pour Android, ça. Ouais. Oui. Droite là, j'ai trouvé. Ah, une prise. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Au bout, puis c'est une espèce de machine, je ne sais pas trop quoi. Frontière. Sandra Blanchette. Je ne sais pas quoi ça sert. Là, attention, il y a plein de planches et des trous, là. Pas envie de me faire mal. Pas grand chose d'intéressant, ça. C'est quoi ça? Ceinture? Une attache. C'est chaud, je dis, Colin. Ça fait 29 temps ressenti. On n'est pas loin de 30 degrés. Mm-hmm. Bon, on va voir ce qu'il y a ici. Mm-hmm. Quoi, ça? Des boîtes Cheetos. Ouais. On dirait une grosse lumière solaire. Non, c'est une mangeoire d'oiseaux, ça. C'est une mangeoire d'oiseaux. Brisé. Bon, ça. Personne n'a gaspillé des Cheetos ici. Des macaronis cheese, là. Puis des jus de fruits. Yo Fit. C'est comme ça. Ah, des choses, je ne sais pas trop quoi. Encore une autre balayeuse. Oui, oui. Des gouttières en plastique, c'est ça? Oui, il manque une picture. Les affaires de maison, ça me dira. Attendez, on va aller voir ça. On dirait des. Mettre des choses dessus. Couteau électrique. Philippe. Tu as des affaires de cuisine, ça? Ouais. On dirait que je trouve pas grand-chose d'intéressant, je dis. Mais faut pas désespérer. Je peux juste regarder ici et là, mais bientôt je vais aller creuser dans l'endroit où j'étais. Tantôt, ce que j'ai trouvé plus d'affaires. Mm-hmm. Pas mal des sacs, tout le monde. Avec des branches. Ça, par exemple, encore. Des affaires de Cheetos, encore. J'ai juste de ça là-dedans. Voyons donc. Moi, c'est quoi ça? Une petite statue d'oiseau de Poudlard.
Ouais. Pas grand chose d'intéressant là-dedans, je trouve. Bon. Ouais, là, mon aventure zone n'est pas très concluant, je dis. Encore un autre ventilateur moderne. On trouve souvent des ventilateurs modernes aujourd'hui, hein, donc la plupart du temps, ils sont brisés ou bien ceux qui ne fonctionnent plus ou bien complètement bousillés. Là. Comprenez-vous? Oui, je ne peux même pas passer ici. On regarde en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Un sac rempli de choses. Mais des choses bien intéressantes. Oh mon Dieu, je lâche mon dos. C'est une mouche qui va sur mon bras. Et me voici dans le début. Bon. Ah. En fait, mon aventure aujourd'hui n'est pas très conclu, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour l'instant, c'est un début. C'est ou quoi? En lançant cet objet-là vers mon sac à dos qui était comme ça, il était de même. Vous pouvez voir les traces, mais regardez par là. Regardez bien ça, ce qu'il y avait là-dedans. Ma tablette, toute cassée. Il est tout fichu. Aïe, aïe. J'ai cassé ma tablette, Colin. Oh non. Oh là là. Mais comment ça, il était de même? Il était de même, ça, regardez. Il était comme ça. Il était de même. Il était pas de l'autre sens. Puis malheureusement, j'ai lancé le sac. Le patente de caméra forestier ou de trail. Vous voyez les traces? Je suis tombé là-dessus. Bang! Cassé des crânes. Puis comment ça, c'est pesant? Pas supposé être pesant que ça. C'est bien pesant. C'est une caméra de trail. J'ai cassé ma tablette. Fait que je vais être prêt pour aller le faire réparer le. Bientôt le. Ah. En fait, je vais le faire réparer, non? Pour l'instant, je suis un peu frustré de voir que ma tablette est cassée. J'avais besoin de ça, j'écoutais la musique le soir avec ça. Bon. Hors service, ma tablette, pour l'instant, je vais aller voir le faire réparer chez Plan B. Je sais pas comment ça va me coûter, par exemple. Mon téléphone cellulaire, savez-vous, ça m'a coûté combien? 400$, puis j'ai déjà cassé l'écran. Ben, la vitre par-dessus, ben, pas l'écran en dessous, mais la vitre au-dessus, je l'ai cassé. Mais, je me suis assis, puis cassé le patron. Je me suis assis sur mon cellulaire, puis il a cassé l'écran. La vitre par-dessus, non? Fait que, hein, ça. Puis ça, comment ça se fait que c'est pesant de même, voyons? Pas supposé que c'est si pesant que ça? Pas vrai, 12 volts. Il n'y a rien. Une caméra thermique, ça. Une caméra de sentier, qu'est-ce que c'est? Il n'y
Mais comment ça c'est plein de même? C'est pesant, n'est-ce tu? Ah, unlock. Oh, attendez un peu. Unlock. Oh. C'est ça? Wow. C'est à cause de ça que mon chat est cassé. À cause des batteries C qu'il y a là-dedans. Les batteries sont toutes finies. Regardez ça. Ça paraît-tu? Complètement fini, les batteries. Ils ont coulé. Largement, il est bien léger, là. Il n'aura pas cassé mon écran, Colin. Il aura juste tombé dessus. Peut-être qu'il n'aura pas cassé. Moi, j'ai cassé mon affaire avec ça. Bon. Tant pis. C'est pas trop grave. On va le faire réparer chez Plan B TV. Plan B ou bien le centre de réparation de iPhone Val d'Or. Ça là. Moi, j'ai rangé mes affaires un peu là-dedans. Je cherche un peu de tout là-dedans, mais je trouve rien de spécial. Je cherche n'importe quoi qui pourrait m'être intéressant. Mais j'ai rien trouvé de spécial. Bon, ça c'est bien léger ça. Eh oui! Non, j'arrive pas à le faire tomber. C'est l'important. J'ai cassé ma tête avec le numérique. Ah, quelle catastrophe. Pourtant, j'ai pas cassé le miroir. En plus, cette tablette-là, je m'en servais pour regarder des vidéos, ben. Des choses, là. Je vais faire des recherches, mais là. Je vais peut-être avec mon cellulaire pour l'instant. Je n'ai pas le choix. Je regarde un peu partout, est-ce que je peux trouver autre? Hey, du broc, ça alors. C'est là que j'ai trouvé les lumières au Dell. Elles étaient toutes sectionnées. Et sectionnées en deux. Bon. Il fallait que je lance la patente sur mon sel. Sur ma tablette numérique. Bon, ça. Un adaptateur. Il est coincé. À cause des tonnes de briques qu'il y a là-dessus. Ouais, des tonnes de briques. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des linges. Je sais pas c'est quoi. Ah, il est flamant en nuque, regardez ça. On dirait des gilets, ça. La zone. Ben voyons donc. Je sais pas si vous allez me voir là. Ok. Je sais pas si vous allez me voir quand même, mais ça, c'est des produits de la zone. C'est des manteaux.
la zone Twitch. C'est des gilets. N'est pas utilisé. Ben voyons donc. Il y en a d'autres. Ils sont flamants nus. Je ne sais pas si on va les placer. Attendez. Bon. Ok, restez là, là. Je ne sais pas, vous allez me voir. Là. Merde. Bon. C'est des affaires de la zone, tu sais, même pas ouvert. Même pas utilisé. Ça, alors. Psychopathe. Gaming. C'est des manteaux, c'est des gilets. Flamant nez. Il y en a d'autres, il y en a un autre, tu sais. Psychopathe Gaming. Wow. Un tapis. Et ben, il était là, ça. En disant ça, c'est des gilets. Même pas utilisés, moi, vraiment. Quelqu'un a jeté ça. Ça, c'est des gilets, en vrai, isolants. Wow! Hey, ils sont bizarres ces gilets-là. Ils sont complètement 100% isolants. Il y en a, ils sont flamants nus. Psychopathe gaming. J'en viens pas. Ça n'a jamais été porté par quelqu'un. La zone de Val d'Or. Aventure zone, la zone. C'est pas commandité, là, OK? Ce n'est pas commandité, mes vidéos. Par la zone, no way. J'ai trouvé ça à la zone, à Dôme de Vada, dans mes aventures zones. C'est pas à cause que c'est ça s'appelle la zone que ça va être mes aventures zones, non, non. La zone et mes aventures zones ne sont ni... ils ne sont pas reliés ensemble. Comprenez-vous? Quand je vais amener ça. Vraiment, brand new, ça n'a même pas utilisé. Ils sont juste un peu sales, mais. Peut-être lavable. C'est des beaux gilets en plus. Twitch. Gaming. C'est quoi ce Twitch, hein? Il y en a plein de ça. J'en viens pas. Bon, des céréales, des affaires, des je sais pas trop comment on appelle ça, là, ma chose. Ah, j'espère que ça n'est pas d'autres, ça. J'espère pas. Switch. Qu'est-ce que c'est ça? Des affaires de manger. Des affaires de manger. Jusqu'à de la gomme 5, pas comme moi. Mangue glaciale. Tout des bonbons. Tisane, bon sommeil. Qui peut aider à dormir. Même pas ouvert. Des biscuits, du chocolat. Et ben. Rien d'autre d'intéressant, là. Mes affaires de trucs, des affaires de la zone. Waouh.
flamant nu. On revient pas. C'est ça! Aïe! Il y a un. On dirait qu'il y a un ordi direct là! Ben oui, il y a un ordi! Asus! Wow! Ouh! Core 13 HDMI! Wow! Même pas de la brise par en dessous, là. Tablette numérique. Un gros ordinateur, que c'est? HDMI. Ah, ouais. Un gros ordinateur. Il y a autre chose là-dedans. Ah, découpleur, ça, j'ai besoin de ça. Des rideaux. J'ai pas besoin de rideaux. J'en ai. J'ai pas besoin de ça, moi, chinois. Oh! Des écouteurs. Des écouteurs sont fichus. Ouais, maintenant j'ai trouvé le machin de. Les choses. L'ordinateur. Oh! Je crois que. Je voulais le fil. Le brancheur. Mais j'ai pas trouvé le chargeur. Non, le chargeur, je l'ai pas trouvé. Je voulais peut-être pourquoi qu'ils l'ont jeté. Pourquoi? Qu'ils l'ont jeté. Parce qu'il n'y a pas le chargeur. Y a rien là-dedans. Quoi, cette affaire-là? Hey! On dirait que ça va pour les switches, cette affaire-là. On dirait que oui. J'en ai aucune idée. On dirait que oui, ça va pour les switches, cette affaire-là. Je sais pas à quoi ça sert. Ouais, ça va pour les switches, pour mettre la switch dedans. Pour la Joy-Con. Pour mettre le Joy-Con, je veux dire. Comprenez-vous? Même pas le chargeur. Non. Oups. Plein d'affaires par-dessus, là. Une tablette Asus. Non, un ordinateur Asus que c'est. Je parle d'une affaire, une drôle de trouvaille. On va chercher mes affaires là-bas, je vais les emmener ici, puis on va les remplacer ça là-dedans. Non? Ah, je dis que j'ai cassé ma tablette numérique, Caroline. Ah. Bon, que voulez-vous? Puis de toute façon, l'écran était déjà cassé en haut. Hein? Je peux le faire réparer, c'est tout. On va regarder aux alentours de ça, voir si je peux pas trouver autre chose. Il y a d'autres boîtes, regardez. On sait jamais. Peut-être qu'on va trouver autre chose là-dedans. Ouais! T'as-tu du genre comme de la vaisselle cassée à mi-morceau? Non, mais. Que voulez-vous? De la vie de casser. Oh, c'est quoi cette affaire-là? Bien gros, il y avait une affaire en arrière de moi. Je sais même pas c'était quoi. C'était bien gros. Il collait après moi.
C'était non loin de là. Ah ben, je vais chercher mes affaires. Bon. On va mettre les affaires de gelée là-dedans. On va les emmener puis on va les laver. Mais je sais vraiment pas qu'il faut plus bien jeter ça. Bon ben c'est ce qui est ça. Bon, moi je crois que je vais y aller parce que là je commence à être tanné là. Je trouve rien de spécial. Ben j'ai trouvé des affaires spéciales. Un ordinateur. Bon ben. Bon, j'ai pitié de mon job, j'ai cassé ma tablette. Là-dedans, dans ce panier-là, l'adaptateur des drettes là, l'adaptateur qui va avec ça, Asus, c'est le même modèle. Donc, je suis tout équipé. Je l'ai trouvé au complet. J'ai trouvé notre adaptateur de iPhone. D'accord, je me suis cogné le doigt tantôt. J'ai chopé un gros morceau de brique sur mon doigt, ça fait mal. Bon, ça fait mal un petit peu. Je vois, là. Ok. Il n'est pas fendu. Ah. Bon, ce que tu dis, j'ai trouvé l'ordinateur, le chargeur, le fil, ça, bien sûr. La totale. Ah, moi, il faudra que j'y aille, moi, là, parce que là, il commence à faire noir, là. Dis que j'ai trouvé une tablette Asus. Un ordinateur Asus complet. Avec le fil, son chargeur. Ça, c'est le fil qui a avec son nom. Quelqu'un a jeté ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'étonnerait que ça soit brisé. On va voir ça. Fait que c'est ça, non? En fouillant là-dedans, j'ai fini par trouver le chargeur. Oh, il y a eu. Tiens, quelque chose ici de coulon. Une grosse table. Non, il ressemble à ce que j'ai chez nous. Mais il est différent. Putain, j'ai des gros tuyaux de métal. Des affaires de métal. Un gros. Oui. Il y a un autre petit, petit modèle. Oui. Des essuies de gros câbles ici. Mais moi, je suis pas intéressé par ça. Non, je suis pas intéressé par ça. Je ne suis pas intéressé par ça. Moi, des câbles, je m'en fiche. Mais pour vous, je trouve des affaires intéressantes. Prends une téléphone. Téléphone de quoi, ça? Philippe. Un gros joint tout brisé. C'est brisé, tu vois. Il y a des grosses bêtes là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Faut que tu me dis à quoi ça me sert, cette affaire-là. Oh non. Orientation. Quoi c'est ça, cette affaire-là? Remonte quadcopter contrôleur. Ah, on dirait une affaire de drone, ça. Ah, l'autre vient de manquer une évier. Celui qui ramasse des morceaux d'évier. Il n'est pas venu en déjà. Bon. Bon, ben, coulons. Ah, nous, on va y aller. Bon, au moins, on a trouvé des affaires, j'ai cassé ma tablette, ça va bien, ça. Fait que, hein, l'aventure zone est maintenant terminée. Moi, je retourne à la maison parce qu'il commence à avoir des mangues, des mouches, la totale. Puis, j'ai pas encore vu d'ours encore. Fait que, avant qu'il y en ait, là, je serais mieux d'y aller. Fait que, à plus. Cette petite route! Regardez le char! Où est-ce qu'il est? Il y a un char à côté, droit dans le fossé. Vous voyez? Il a fait une sortie de route! Uh-oh! Il a fait une sortie de route, j'entends.
J'ai pas entendu le moindre crissement de roue, mais il est dans le fossé. Ah, j'espère que c'est pas à cause de ça. Voyons. Il a fait une sortie de route l'autre bout là-bas. Je sais pas c'est qui, mais en tout cas. Il est dans le fossé, littéralement, la personne. Vous voyez, à côté du char de police? Il est dans le fossé, celle-là. Ça! Aïe, aïe! C'est étrange, ça. Il s'en sortir. Il est droit à côté. Il est sorti de là. Le pain s'en va, là. Eh ben. Le véhicule était poigné dans le ditch. Je pense quoi, cette affaire-là. Voyons. Voyons, qu'est-ce qui m'attend? Voyons. Tu veux vraiment ça? Je suis pas sûr. On va aller voir ça. Mm-hmm. Voyons. Bon, c'est rendu, tout le monde arrive en même temps. Voyons. Il y a déjà un qui m'a pogné. Ben, je sais pas si c'est là, je n'ai aucune idée. Ah oui? Ok, je sais pas si... Ok. Merci, DJ. Merci! Ah! Je pensais que t'avais fait une sortie de route. Eh non, c'est à cause de toi que je peux t'arrêter. Ah oui? Ouais. T'es un peu là. La porte n'est pas fermée. Non, t'es pas. Tiens, voilà. On l'a embarqué. C'est bon. Il va se faire ici. Oh ben, ça précise. Je pensais qu'il avait fait une sortie de route, c'est eux autres qui étaient là-bas. C'est ça que je pensais, j'ai filmé ça. Oui. Ah, il y a quelqu'un qui a fait une sortie de route là-bas, j'étais là. Je sais pas, c'est pas à cause de ma lumière. Ça, j'ai dit. Bon, ben, c'est ça. Oh, t'as une chienne, non, non. Ah, il fait chaud dehors. Pour plus de ma chance, là, j'ai perdu ma lumière qui était en arrière de mon sac. Celle qui vous avez vu flasher, je pensais qu'il y avait eu une sortie de route, mais là c'était une personne qui voulait m'embarquer. Comme vous avez pu le voir, j'ai perdu ma lumière au bord du chemin. Il est à terre au bord de la 107, entre le chemin de où est-ce qu'il y a les dynamites, puis le pont Bourg-la-Marque. C'est ça, ouais. Le pont Bourg-la-Marque. Je l'ai échappé là à terre. Je sais même pas si dans quel état qui est. Il a décroché puis il a tombé. Vous voulez voir? Regardez bien, c'est si on a. Attendez là, il est là-bas. Regardez. Complètement décroché. Il a décroché de là. Ça, c'est mon chef de lumière, ça. Ça que vous voyez auparavant. Décroché, j'ai plus de lumière. Ça, c'est mes sandwichs, je vais les manger tantôt. Mais là, je veux faire de quoi? Tester ça. Je l'ai mis là, attends, parce que j'ai tout défait mon sac. Les gilets, là, sont toutes là, ceux que j'ai trouvés. Je les ai toutes mis là. Donc, mon manteau tata, je vais le laver bientôt. Là, là j'ai enlevé les prises. Mon de machin coup. Pas d'angle. Ouais, d'abord, quoi. Non, c'est. Non. Putain, t'as tombé, ça.
J'ai une patente, j'ai lancé ça, puis il a cassé mon, ma tablette, mon thé. Ah oui, t'as un peu thé. Puisqu'il n'est pas branché sur Internet, là, je vais utiliser quelque chose pour le tester. Je sais même pas si il va s'allumer. Des clés USB, j'avais trois donc. J'avais tout mis là. La 2 terabit, tout ça, là. On va le tester là-bas. Dans ma chambre, là. Regardez là, je le prends. Et voilà. Je vais marcher le corps de ma tablette maudite. C'est plate. Bon, voilà. Bon, ça, c'est l'USB. Je vais les tester avec ça. Parce qu'il n'est pas branché sur un sur mon Internet encore. Je ne peux pas le brancher. Bon. Ah, OK. On va voir ça. On va brancher ça dans le mur. Attendez un peu, j'ai une idée. Il faudrait que je trouve au moins que vous me voyez. Attendez un peu. J'ai une idée. Avec la caméra, je vais vous mettre devant moi. Denis. Vous allez me voir, j'espère. Bon. Bon. Nous allons tester ça. Le brancher. Je suis tellement curieux de savoir s'il fonctionne, cet ordi-là. Je ne sais même pas pourquoi de le cocheter et puis c'est dans le coin. Là. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils l'ont mis là. Hey, il manque une vis. Ah, ben oui, il manque une vis là-dessus. Il manque la vis là-dedans. Il y en a là. Ben regardez, il en manque un autre, type. Il en manque deux. Trois. Ouais, hein? Il manque trois vis. Bon, je devrais en avoir des vis d'un coup, mais ça va rester le même celle-là. Bon. On va le tester. Ah ben, il manque des vis là-dessus. Bon. On va le brancher dans les murs. Voilà. Alors là, j'ai retrouvé l'adapteur en question. Bon. Hop. Rien du tout. Ah, la lumière de la batterie s'est allumée. Ah, c'est bon signe. OK, maintenant je vais peser sur le bouton pour avoir, je n'ai aucune idée, je ne l'ai pas testé encore. Je suis allé prendre ma douche, puis là, j'avais eu chaud toute la journée. On va voir si ça fonctionne. 3, 2, 1. Et, OK, ça s'allume. Ça s'allume normalement. Ben. Quoi? Patientez. Oups. Wow. Il est quand même pas cassé, rien. Hein? C'est un écran tactile, ça? Ben voyons donc. Nya! Hein? C'est un écran tactile en même temps. Ben voyons donc, c'est mon voyage. C'est-tu séparable ce nom? Non. C'est un écran tactile. En même temps. Aïe aïe! C'est spécial! J'ai touché l'écran! Je ne savais même pas! Aïe, c'est fou. Je pensais pas que c'était un écran tactile, j'ai juste touché de même. J'ai juste touché de même, puis ça... Aïe, ça doit coûter cher, ce type d'ordinateur-là. Pas comme mon ordinateur à l'autre bord. Il fonctionne. Wow. C'est un écran tactile en plus. Ils disent même pas. Ben, voyons, c'est comme une grosse tablette numérique.
Ah oui, je vois, de quoi les cartes SD? Les cartes mémoire. Tiens, on va commencer par celui-là. La grosse 2 terabits. C'est ça. 2 terabits, c'est celle que j'avais trouvé il y a quelques semaines. Je vais voir. Oh, ok. Ok, ça c'est des. Je lis des choses qui sont pas pour les enfants. Waouh, ça fonctionne. Je reconnais ces mots-là. Ok. C'est des films XXX là-dedans. Je n'ouvrirai pas ça. Je n'ouvrirai pas ça. Rien à voir avec ça. Mais la clé USB fonctionne, tu sais, que j'avais trouvé avec les affaires de Apple. 2 terabits, celle-là. Fait que ça fonctionne. J'en viens pas, je vais pas l'utiliser pour autre chose. Bon, on va essayer celle-là, la 8 gigs. C'est que j'avais trouvé la semaine passée. Viens voir ça. Ben, voilà quelques semaines, ça. Ah, il fonctionne. Ah, il y a des images. Il y a des images dedans. Vous voyez ça? Je sais pas si vous voyez, là. Il y a des images dedans. Ah, bon sang. C'est là, c'est l'année que j'ai rentré dans mon logement. Oh! Allez, c'est fou ça. Allez. Ah, c'est pas pire ça. C'est un écran tactile, ils disent même. Je savais même pas qu'ils disaient pas. Waouh! Tenez là. Comment qu'on fait? Les sources de vos photos sont toutes masquées. Pour en afficher quelques-uns, modifiez vos paramètres. Mais comment je fais? Ah! Ah, voilà. C'est vraiment étrange. J'ai jamais eu cette chose-là. Bon, j'étais là. Ok, c'est des photos, ça. Ok, ça c'est des photos de mariage, on dirait. Viens voir ça. Exactement, je connais pas ces personnes-là. Je suis désolé. On va retirer la clé USB, c'est pas mes affaires. C'est un 8G qui a été jeté en 2018. Je n'ai aucune idée c'est qui, mais en tout cas. Photo de mariage. Là, on va essayer la 4 gigabit que j'ai faite. Nous allons voir si ça fonctionne. Hop. Ah, il fonctionne. Ah, c'est quoi ça? Quand boiront formation outils informatiques 2013, marché, mes documents. Nous allons aller voir ça juste pour le fun. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Lien. Ah, les liens d'Internet, ça, qu'est-ce que c'est beau? J'ai pas l'Internet là-dessus. Marché. Je complètement. Woodlock, Steve, 25, à commercial, Woodlock. Ok, ça, c'est pas mis à faire. Plan de ressources, plan de commercialisation, projet, propriété de direction d'entreprise. Il y a des musiques là-dedans. Ah, bon sang, je suis fatigué. Fait que ça fonctionne avec l'USB. D'accord, on va le retirer. On va essayer l'autre 4G que j'avais trouvé. Nous allons voir ça, si ça fonctionne. Et... ah ben... ça fonctionne. Ah ben... Machina 2015. Ah ouais. Fichier AVI. Trash. Ah ben... Avec l'USB fonctionne très bien. Bon, fait que c'est... 1... 2... 3... 4. Il m'en reste 2 longs. Ça, c'est un 16 gigs. Nous allons voir ça si ça fonctionne. Je veux pas qu'il y ait des poussières dedans. Ouais, voilà. Viens voir ça. Et?
Rien. Toujours rien. Bon, je crois que ça l'est brisé. Cette USB est complètement fichue. Bon. J'en ai essayé l'autre, non? Lexar. Je n'ai aucune idée de quoi qu'il y a là-dessus. Ah, disque amovible. Il fonctionne. Mais pourquoi il ne s'affiche pas? Insérer un disque dans le lecteur disque amovible. Il est brisé. Celle-là est brisée. Il y a un problème dessus, non? Fait que ces deux-là sont foggy. Mais ces deux-là, ils fonctionnent très bien. Mais ça, par exemple, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Ils fonctionnent très bien, l'ordi. Mais c'est un écran tactile, j'en reviens pas. Internet Explorer, ça fait longtemps, ça. Non, mais quand même, je pensais pas que c'était tactile, cette affaire-là. Bon, on va l'arrêter. Mettre en veille, tiens. Ah ouais, c'est tactile, cette affaire-là. C'est incroyable. Ah, je dis, c'est vraiment pas ma journée de chance, mais écoute, casse ma tablette. Ma tablette est là-dedans. Faut que je me reste un calme à le faire réparer. Oh là, je me suis... Ah, ma journée a été longue. Et pénible aujourd'hui. Pourtant, j'ai pas cassé le miroir. Cassé ma tablette. Cassé mon geste. Perdu ma lumière au bord de chemin. Montez. Ah non. Bon, que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. C'est pas de mon contrôle. Mais la lumière, je vais essayer de la retrouver. Puis ma tablette, ben, je vais essayer de le faire réparer chez Plan B ou bien. Un autre endroit, là, tu vois, qui répare les affaires. Le iPhone Val d'Or, c'est ça. iPhone Val d'Or, il peut le réparer, celle-là. C'est un Samsung. Tab E que c'est. Parce que j'ai la boîte, t'inquiète pas, dans mes affaires. Faut juste que je tasse ça et je retrouve la boîte pour la. Pour m'assurer que c'est un Tab E. Il me semble que c'est un Tab E que c'est, parce que je l'avais vu. Cette boîte-là, je l'ai rangée là-dedans. Au travers de toute ma montagne de débris. OK. Si j'aurais une chaîne, je pourrais tout mettre ça là-dedans. Celle, la grosse boîte, c'était mon Linklou qui était là-dedans. Puis là, malheureusement, j'ai cassé la queue là-dessus. En voulant le nettoyer, je l'ai accroché. Puis j'ai cassé la queue. Eh ben. Bon, ben voilà. Fait que. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Nous, on se retrouve pour d'autres affaires. Demain, il risque de faire chaud. Mais il faut absolument que j'aille chercher ma lumière au bord du chemin. Okay. Fait que merci d'avoir regardé cette longue vidéo-là, je suis désolé. Mais je voulais essayer cet ordinateur Asus. Donc, je n'ai aucune idée c'est quoi. On dirait c'était Windows 10. Non. Fait que c'est ça. Attends, attends, oui, c'est ça qui t'a regardé. Windows 8. Ah, c'était Windows 8, celle-là. Donc, celle-là est à... Parce que le Windows 7, c'est le précédent. Ça, c'est le Windows 8, que c'est. Ben là, il manque des vis là-dessus. Je sais pas pourquoi qu'il y ait un cochetier là-dessus. Mais il fonctionne. Tant mieux. Fait que, au revoir, puis à la prochaine.